En Syrie, près de 1800 civils ont pu être évacués ce mardi de la ville de Mouadamia, près de Damas. Cette ville, aux mains des insurgés, est assiégée depuis des mois par les forces gouvernementales. Et l'évacuation a pu se faire visiblement grâce à un accord entre le gouvernement et les insurgés. Les troupes loyalistes auraient accepté de laisser sortir les civils. Une opération d'apparente générosité à laquelle a participé sœur Agnès Mariam, une religieuse considérée par beaucoup comme un soutien du régime de Bachar al-Assad. L'opposition et même les services de sécurité et l'armée, chacun a fait de son mieux pour que cette opération soit un succès, a-t-elle expliqué. D'après les témoins, la population de Mouadamia souffre de pénuries en tout genre. L'opposition accuse le régime de vouloir affamer la ville en maintenant le blocus. Les autorités de Damas affirment que les habitants sont pris en otage par les rebelles.